Faut te faire à cette idée, t'as plus le taxi le plus clean de Los Angeles. Fais juste ton job. Regarde où tu vas. 75-65 Fontaine, tu connais? Hollywood West. À ton avis? J'en sais rien, peut-être 17 minutes. Pourquoi? Non, ça va bien là. Non, je t'ai dit que je devais voir plusieurs personnes. Non, vous aviez dit que vous aviez des amis à voir. Ce sont les amis de quelqu'un. Non. Tu tiens le volant. Je fais ma tournée. Tu verras peut-être le jour se lever. Allez, il y a $700 à la clé. Croyez pas, c'est pas pour vous faire chier, mais vous conduire pendant que vous flinguez à tout va, non. Ça, je peux pas. Non, c'est pas mon taf. Ce soir, ça l'est. Attendez, vous comprenez pas. Je veux dire, c'est vrai, sérieusement, c'est pas que je vais pas, c'est au-dessus de mes forces. Et là, tu stresses? Ouais, je crois que c'est le mot. Tu stresses. Je comprends. Tu dois bien respirer et rester calme. Tu respires? Connerie. Tu respires? Oui. C'est bien. Je te raconte. Tu me conduis où je te demande sans sourciller, puis d'un coup, oh bah tiens, il y a Gonzalez qui se fout à sa fenêtre et hop, un saut de l'ange dans le vide. On passe au plan B. Tu respires bien? Faire au mieux avec ce qu'on a. Improviser, s'adapter aux événements, Dixit Darwin, t'as une merde, itching ou ce que tu veux, mais il faut faire avec ce qu'on a. Itching? Enfin c'est quoi tout ce blabla? Vous avez passé ce type par une fenêtre? C'est lui qui est tombé, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Quoi? Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Rien, j'avais jamais vu ce gars-là. Vous l'aviez jamais vu et vous le tuez comme ça? Quoi, je dois faire ami-ami avec eux avant de les tuer, peut-être? Oh, je ne crois pas. Max, 6 milliards de bipèdes au monde et tu vas me faire une crise pour un gros enflé. Lui, qui c'était? En quoi ça t'intéresse? Tu vois où c'est le Rwanda? Je sais, oui, merci. En une seule journée, des dizaines de milliers d'entre eux ont été tués. Depuis Hiroshima, personne n'avait vu ça. Autant de gens tués aussi vite, ça t'empêche pas de dormir, Max? Quoi? Tu donnes à Amnesty International, aux œuvres de charité, SOS Baby Folk ou Greenpeace ou je sais pas quoi? Non. Et tu vas sortir les violons et jouer un requiem pour un train de savate. N'empêche que je connais pas de Rwandais. Et l'autre dans le coffre, tu le connais? C'est pas vrai. Bon, si ça peut te faire du bien, c'était une crapule. Il trafiquait dans toutes sortes d'entreprises malhonnêtes. C'est quoi votre truc au juste? Donner des coups de balai? Il y a un peu de ça. Rangez-vous à droite! Oh non!